13e activité issue de ton cahier d'activité Choveret Pe'ilouyot, Chagim Be'ivrit, hébreu en fait, sur le thème de Tu Bishvat cette fois-ci. On y va. Vous voulez recevoir le cahier d'activité Chagim Be'ivrit, hébreu en fait, chez vous à la maison, vous allez sur acourdhébreu.com et vous le commandez. Acourdhébreu.com. Amusez-vous bien. Noah a répertorié les animaux en français et en hébreu. Malheureusement, des lettres hébraïques se sont effacées. En t'aidant des mots mélangés dans les temps, complète les noms en hébreu des 11 animaux. Eh bien, on y va, c'est parti. Âne, c'est Chamor. 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 La vache, c'est Para. Para. Le lapin, c'est Arnav. Arnav. Le mouton, Keves. Keves. Une noix. Une noix, je vois ici, Avaz. Avaz. Aleph, Vav, Zain. Avaz. Le canard, c'est... Ça ressemble, c'est Barvaz. Barvaz. Bet, Resh. Vav, Zain n'est pas bête, faut pas se tromper. Le coq, c'était le plus long, c'était Tarnegol. 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 La chèvre, c'était le plus court, Ez. Le cochon, c'était Khazir. Khazir. Le taureau, c'était Chor. Chor. Vavresh. Le cheval, c'était Sous. Sa mère, sa mère, sa mère. Vav, sa mère. J'espère que tu as apprécié cette activité. Je te donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour les solutions des prochaines activités. D'ici là, bonne fête. Chag Sameach.